Dépiauter un poisson cuit basse température. Alors, du coup, là, nous avons un lieu jaune qui a été cuit basse température au four. Il est resté environ 50-55 minutes au four à 100 degrés. L'idée, c'est de cuire un poisson basse température au four, justement pour qu'il soit protégé de ses écailles et de sa chair et de sa peau, mais la chair à l'intérieur est très tendre. On y a mis à l'intérieur quelques rondelles de citron et des graines de fenouil, c'est ça que vous voyez dépasser. Et maintenant, l'idée, ça va être de venir le dépiauter pour le préparer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait faire une entaille dans le poisson. Alors, j'utilise un couteau filet de sole, c'est les couteaux qu'on utilise normalement pour lever les filets. Idéalement, ça marche aussi avec un couteau lambda, il y a un peu moins de difficulté sur un poisson qui est cuit. Hein. Donc, on va venir faire une petite entaille sur le dos du poisson. L'avantage aussi du poisson basse température, c'est qu'il est beaucoup plus facile à dépiauter une fois qu'il est cuit. Je vais venir faire aussi une entaille juste derrière cette nageoire. Donc vous voyez, ça se détache tout seul. Et on va venir, pareil, en faire une petite ici au niveau de la queue. Et donc en fait, vous voyez, mon poisson, juste à la force d'une main, il s'est en fait ouvert tout seul. Là, la cuisson, ça veut dire qu'elle est parfaite. La chair est bien blanche, mais il est quand même un peu tendre à cœur. C'est idéal, on voit mes petites herbes. Vous pouvez du coup quasiment tout faire à la main. Alors là, je vais quand même m'aider du couteau pour venir détacher le filet. Mais en fait, on peut juste simplement. Alors, si vous voulez garder la présentation, c'est tout à fait possible. Hein. Vous avez vu, le poisson se détache tout seul. Vous pouvez aussi en faire une brandade avec des pommes de terre. C'est aussi un bon moyen de cuire le poisson avant de le mettre dans une salade. Ça se décolle vraiment seul, quasiment pas de perte. Et donc, la deux solutions, soit on retourne le poisson et on refait la même opération à l'envers, soit si la cuisson est bonne, normalement l'arête peut aussi quasiment se détacher toute seule. Autre technique qu'on peut faire, si on veut pas utiliser les doigts, je me suis juste munie de deux grosses cuillères et je vais venir en fait. C'est une bonne manière de conserver la présentation si vous avez envie. Je vais venir chercher mes morceaux directement à l'aide de deux grosses cuillères. On a quasiment tout récupéré. C'est pas très joli, mais c'est très bon. Bon appétit! Parfait.